mettre sur le canal. Là. Ouais, ça va être pas mal. Ouais. Il y a le barrage, tu sais comment ça s'appelle le barrage de Henri Dorf là. Comment? Il y a le barrage de Henri Dorf, c'est le du canal, passe pas un barrage, c'est quand tu montes et tu descends, c'est avec les péniches, ils mettent les péniches. C'est un plan d'une, plan de 4-6 heures. À Stambach. Dans toute la France métropolitaine, je ne suis pas embêté, j'ai piqué ça directement sur votre site internet. Et l'idée de Terre de Liens, quatre idées. La première, libérer la terre de la spéculation foncière. Ensuite, favoriser l'accès des paysans à la terre. Promouvoir des projets citoyens pour dynamiser les territoires ruraux. Et enfin, appuyer l'agriculture respectueuse de l'environnement. Vous pensez qu'en 10 ans, on peut arriver à changer ce modèle vers lequel nous sommes en train de partir ou bifurquer? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de bifurquer dans les prochaines années? Effectivement, il y a cette question de soit on continue comme ça, soit on bifurque. Et dans ce cas-là, l'objectif est d'installer 1 million d'agriculteurs qui vivent différents, comme le proclame l'atelier paysan dans son manifeste Reprendre la terre aux machines. C'est aussi des objectifs qui sont clairement affichés par des organisations paysannes. C'est l'objectif aussi de Terre du Lien, si je ne me trompe pas. Et 1 million paysans, c'est un chiffre des années 80. Donc pas si loin que ça. Et pour installer 1 million paysans, effectivement, il faut que les citoyens s'investissent encore plus dans les structures qui donnent accès à la terre. Et donc voilà, c'est réconcilier finalement l'agriculture et les citoyens. Pour moi, ça ne se fera pas sans nous. En tout cas, il y a une envie qui existe. Et notamment, on a vu quand on a évoqué cette jeune génération, effectivement, de devenir paysan, de travailler correctement, c'est-à-dire avec beaucoup moins de machines, sans pesticides. Il y a cette volonté qui existe. Donc, il existe des solutions pour bifurquer. Juste pour l'anecdote, Véronique Duval, c'est quoi le rapport entre Terre de Liens et la faillite de Lehman Brothers en 2008? Alors, c'est assez amusant parce que le jour où Terre de Liens pose le premier appel public à l'épargne, c'est le 15 septembre 2008, c'est le jour de la faillite de Lehman Brothers. Or, ce qui semblait être une catastrophe au point de vue communication s'est avéré finalement une bonne fée, puisque les épargnants déboussolés, sans doute, cherchant du sens, ont accordé leur confiance très vite à cette nouvelle structure Terre de Liens. Vous allez voir Terre de Liens.
fait, c'est pas loin, Lutzelbourg, c'est à pas 2 km. Plus que ça. Quoi ? On a fait au moins 6 km. C'est que moi, 6h, je vais être à Strasbourg. Ah ouais, c'est vrai. Il est quelle heure, là ? Bah, les 16h37, t'as le temps. Hein ? Une demi-heure, pas plus. Ouais. Pierre Mia, il me klaxonne. Ouais. Tu roules par rapport à ta visibilité. Hein. En plus, il a dépassé dangereusement dans le tour. Ouais, non, mais c'est con. Ah, là, on est à Lutzelbourg, ça c'est le château de Lutzelbourg. Le tour là. Il y a longtemps, je l'avais filmé avec un drone. Ah, ouais. Là, je lui défonce le cul là. Alors là, faire attention avant de faire un bis. Il a gagné en doublant. Ouais. Oh, on est à Lutzelbourg normalement. On va en aller tout prochainement. Ouais, ça c'est Lutzelbourg. Ah, ça c'est Lutzelbourg. Le restaurant là. Là à droite, il y a un parking. T'as un parking.